qui continue à laguer dans la bandade. C'est un pays côté que et personne autorité étatique pas bail pays à régler pour eux. Et malgré un peuple qui sentit que yo affamé, yo dans la pauvreté extrême, yo dans la misère, yo décidé d'investir la rue pour conditions la vie au changer. Et nous-mêmes comme monde qui avisé, qui comprend la nécessité pour accompagner le peuple là, parce que c'est nous qui demandons désobéissance civile, c'est nous qui demandons soulèvement populaire. Mais nous constatons que au lieu de la police et ensemble de dirigeants dans le pays, secteur privé, qui comprennent la nécessité pour accompagner nous, c'est voyer des balles sur la population, des balles réelles, des gaz lacrymogènes, toute quantité, toute qualité de balles qui viennent. Donc nous-mêmes, au niveau de cellule 65, je ne dis pas, nous comprenons très bien et bataille qu'a faite contre le peuple haïtien, pour le peuple haïtien continuer à rester dans la misère. Et ça qui fait plaisir comme responsable, c'est parce qu'à côté de ces minorités 8-8 là, nous constatons que nous avons une majorité silencieuse qui a toujours été bébé, je dis, qui est conscient de la situation pays, qui décide de fouler le béton. Hier, nous étions contents par le fait que nous avons des milliers de personnes, nous sommes capables de dire plus que 10 000 personnes qui prennent la rue, qui décident, si premièrement, il faut qu'Ariel Henry aille, et aller à pas venir de par nous-mêmes, il vient automatiquement par ensemble de problèmes qui ont plongé la société, parce que nous avons un pays côté que nous gagnons une insécurité terrible, nous gagnons la vie, côté que pas de personne qui a mangé. Nous gagnons un pays et avec un carburant côté que même les gens qui sont en masse défavorisés, pas qu'à acheter même un demi-gallon de gaz, mettre dans la moto pour aller chercher le pain quotidien. Donc face à un ensemble de problèmes comme ça, ce n'est pas nous-mêmes qui avons demandé des départs, c'est conditions ça que, alors ces situations ça Ariel, ensemble avec tout le monde, pas dans situation ou bien pas de volonté pour changer, donc le peuple haïtien demandé. Faut qu'il y aille. Mais nous dit que la bataille n'est pas prête là parce que nous en face à un système qui est là depuis bien longtemps, qui participe à tout pays, population, avec une élite économique qui chita là, qui met les mains en bas pour le peuple là, avec une équipe ancienne, Bwa Kale, qui a fait politique depuis près de 20 ans, 25, 30 ans, qui m'a ressuscité avec le comité international là, qui m'a ressuscité à comité international là, côté que yo cautionné tout ça qu'a fait là aujourd'hui. C'est ça que fait nous-mêmes, nous gagnons un signal n'a voyé et nous gagnons un conseil pour population. N'a dit aujourd'hui aujourd'hui bataille ça qu'a fait là, c'est bataille peuple là, c'est bataille pour changer condition la vie moun qui pi mal yo. Nous pas voulons aucun Bwa Kale, ancien nèg qui fait politique depuis bien longtemps, qui cautionné dans ça qu'a privé pays à journée aujourd'hui là, nous pas voulons moun ça yo vienne propose que c'est une solution pendant que tout le monde connaît que c'est un problème. Je dis à nous voulons notre classe d'hommes, nous voulons notre société, une société qui est équilibrée, qui a une justice qui est forte, une société côté que tout le monde sentit qu'il y a vivre dans un pays qui est confortable, qui inspire aux confiance, même gens tout le monde a vivre dans tout pays dans le monde là, côté que tout le monde sentit petit yo famille yo, madame yo, amis yo capable vivre, capable profiter de un pays côté que tout le monde capable vivre là-dedans. Malgré ou victime dans le cadre de manifestations ailleurs dans commune Carrefour qui baptisé Bwa Kale, côté nous terroir gagné en pile monde là-dedans, mais malheureusement la police lui-même li dispersé pour ça avec en pile gaz lacrymogène, balle caoutchouc plus balle réelle ou même victime. Est-ce que ça pas bon inquiétude pour ta et quitter bataille ça? Non, pas cap gain inquiétude, son bataille m'a fait comme jeune garçon, son bataille qui et a coûté ma pile et son bataille que m'pas peur et j'ai plus que 10 ans et ma bataille pour moun qui pi mal yo moins fait en pile gros bataille et matissa crasé moun yo vinn dans centre et me fait 6 mois à 7 mois à bay moun yo manger 4 fois par semaine l'école pral l'ouvert me porter 500 kits scolaires pour yo là marché poisson et la cour pas frontamara son façon pour me dire que nous-mêmes nous voulons embrasser cause moun qui pi mal yo. Donc, journée aujourd'hui, et ça qui fait la peine, c'est parce que manifestation qui était très paisible, sont manifestations qui n'ont pas rien de rôle là-dedans. La police décide de voyer gaz, voyer balles réelles pour craser pendant que il y a une trentaine de personnes qui touchent là, dans la cachon 32 qui prend balle, qui mourir déjà. Donc, on a demandé est-ce que le problème ça n'a pas enduré là, est-ce que la police là n'a pas enduré le tout? Parce que j'ai l'impression que les petits policiers n'ont pas capable à l'école là tout. Yo pas qu'à manger même j'ai avec petit peuple pas qu'à manger. Donc nous-mêmes nous voulons et la police qui est vraiment professionnelle, qui comprend la nécessité pour mettre le beaucoup de peuple là parce que situation désastreuse, situation lamentable n'a vivre là, c'est pas nous seulement qu'à vivre, c'est tout le monde dans le pays à vivre. Mon frère qui était dans manif là. Manif là sorti depuis rivière froide, nous passer bon marché, n'a descendre et puis les nous arrivés tôt 14 bon 3 ou 2 bacs aux police, idmo avec Simo qui campait, ils dit nous faire bac. Et puis ils mettent en limite, nous camper en limite là, ils dit nous pas avancer, nous dit destination nous c'est descendre pour nous arriver bon la marine après ça pour nous passer tourner sur rail monter. On a dit non, nous pas passer. Nous demandé pour qui ça ils dit interdiction de passage par rapport avec et maquette boulot ça ils étaient tenté à la dans semaine avant hier. Nous disons ok, pas de problème. N'a passé par en dedans, n'a passé par soi, il dit non, nous ne pouvons pas passer par soi et tout. Pendant qu'on a parlé avec Simo, Idmo, comme ça, et puis il y a 2-3 confrères qui disent mais c'est en avancé. Parce que route nationale numéro 2, c'est pour le peuple allié, tout nous ne pouvons pas bloquer pour 2-3 grands chefs, bloquer nous sur route là. Nous disons pas de problème. Pendant qu'on a avancé comme ça, et puis ils ont râlé, ils ont tiré sur le manifestant. Ils ont tiré sur le manifestant, il y a plusieurs équipes qui prennent balle. Moi-même, c'est un confrère qui mène un confrère là. L'hôpital là, dire le Télisma Lionel. Actuellement là, il a fait dossier pour monsieur, monsieur prend soin en dedans là, mais il y a plusieurs autres confrères en dedans toujours qui prend balle mais il pas mon responsabilité. Balle réelle, bon balle. Bon balle. Donc il qui positionne encore non pas non pas. Parti bon côté. Bon côté. Non, 3 parce que 3 moi m'pa ka di plus que 3. Donc, même en tant que citoyen qui a manifesté, comment comprendre ça se passe? Bon, je trouve ça un petit genre drôle parce que les policiers, ils sont dans la même situation. La vie chère pour nous toutes, le problème pour nous toutes. Je n'accepte pas de faire job, mais je ne peux pas mettre interdiction pour manifester, pas passer sur route nationale DA, surtout devant maquette Boulossa. C'est vrai, les Boulossa, c'est un monopole VIA, mais ils font ça au vlé. Mais nous-mêmes, ça n'a fait, nous avons revendiqué droit nous et nous sortis depuis bon marché. Bien calme, bien posé, nous avons traversé le rivière, nous avons des maniflants, nous avons vidé des balles sur nous. Mais moi, ça va prêter comme ça, il faut que ça change. Tout le monde qui défend le droit, nous venons dans un milieu où nous ne devons pas nous-mêmes les menacer. Ça veut dire qu'il faut nous faire effort, non seulement nous défendre le droit, mais il faut défendre le droit pas du tout, parce que les menaces. Dans un contexte côté que la population, en général, identifie que pas dans rien pays a fait pour eux. À ce qu'il y a des gens qui ont dirigé lui. On a par exemple le premier ministre qui c'est Ariel. Donc il n'y a pas rien à faire pour le peuple là. Nous étions tous dans la même classe là. Nous étions dans le même problème. Et jusqu'à ce que l'Éloé, tout ça le fait comme provocation, le peuple n'a pas levé campé, il a augmenté le gaz là. Pas augmenté non, il a triplé, il mettait 10 000 fois plus que j'en étais. Alors ça c'est un moyen pour provoquer le peuple pour l'Ouest, le peuple n'a pas réagi. Donc nous-mêmes, pendant tout le temps ça au pouvoir, après tout crime qui soudole, le peuple n'a jamais réagi, il a quitté le tête pouvoir, donc il a menacé le peuple, il a demandé le peuple à lever campé. Et bien c'est comme ça, dans tout pays, le peuple a levé campé, il a dit qu'il n'y a pas besoin de rien encore. Non seulement des gaz là, qu'on n'a pas fait gaz, même s'il était tourné gaz là, non prix il était à 40 $, ça ne va pas intéresser nous. C'est le peuple a demandé pour Ariel bail pouvoir. Parce que ce n'est pas le peuple qui est balil. Il ne peut pas passer par le Parlement, il ne peut pas passer par rien. Même si l'État dit que c'est le président Jovenel qui est nommé, le mandat président fini. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans tout contexte, nous-mêmes, le peuple a demandé ça. Si le peuple a demandé, elle montre le tout. Donc, moi, je pense que pas de faire un pile littérature, c'est exactement remettre pouvoir pour le peuple là. Mettez-moi, ils ont fait confiance, ils ont senti qu'ils ont aidé, ils ont sorti dans le problème.